alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, inshallah, nous allons faire un gâteau traditionnel. Ça s'appelle la baklava. Je vais vous montrer une façon de la faire qui est vraiment délicieuse et qui reste croustillante plusieurs semaines après l'avoir faite. Donc, tkoun mqrmcha, tbqa mudda twila w hiya mqrmcha. Ou tu dis, mashallah, alia. Pour la farce, je fais un mélange entre les amandes et les noix. Pour les mesures, s'il vous plaît, il nous faudra. Donc là, on va commencer par la pâte. Et là, on est la veille. Donc je la prépare pour demain matin. Comme ça, la pâte, elle va être bien reposée. Et comme ça, je pourrai la travailler et l'étaler dans la machine à pâte pour obtenir un meilleur résultat. J'ai trois mesures. Environ, elle va me prendre 1 kg. De farine. Donc le kilo de farine, je prends un bol comme ça, qui va prendre 3 mesures et demie qui vont faire le kilo. Donc j'ai 3 mesures, regardez, j'ai mesuré avec celui-là 3 mesures de farine. Bien sûr, je l'ai tamisé. Là, c'est la quatrième mesure, regardez, j'ai la moitié, donc tilt kilet ou nos. Donc en tout, ça va faire 3 mesures et demie de farine. Je vais la compléter avec de la maïzena pour obtenir 4 mesures en tout. Mesure rase. Je tamise tout ça. Une cuillère à café de sel. Et je mets le sel de côté. Une mesure de semaine. 4 mesures en tout. 3 mesures et demie de farine. Une demi-mesure de maïzena. Et une mesure bien pleine de semaine. Semaine, c'est le beurre. Clarifié, refroidi, je vais verser sur le sel, mélanger avec le sel pour le faire fondre. Et je vais adhérer le gras. Je vais la travailler comme ça. De 3 petites minutes, hein, pas beaucoup, hein, regardez, ça commence déjà à changer de couleur. Ajouter un œuf, une cuillère à café de vanille, voilà. Je vais mélanger ça de l'eau. Tiède, il y a des farines qui absorbent, comme je vous le dis tout le temps. Il y en a d'autres, non. Je prépare un mélange comme ça, d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Il faut obtenir une pâte. Je l'ai pétrie pendant 10 minutes. Et regardez la mesure du mélange entre eau et eau de fleur d'oranger. Je ne l'ai pas fini. La pâte ne doit pas être collante. Parce que sinon, on pourra, si elle est très molle aussi, on ne peut pas la travailler. Je vais la filmer, je vais la mettre au frigidaire, je vais la mettre au frais jusqu'à demain. Je vais partager la pâte en deux, puis chaque moitié, je l'ai partagée en 6 boules. On obtient 12 boules. Chaque boule va représenter une couche de la baklava qui va faire 12 couches. C'est bien de les peser aussi. Je vais les aplatir un petit peu comme ça et je vais les filmer. Là, on va commencer le façonnage. Lyoum, inchallah. J'ai partagé la pâte en deux. Il y a 6 boules ici et 6 boules ici. On en a 12. J'ai fait fondre le semaine avec 250 g de beurre. Bismillah. Nous allons faire la pâte. J'ai étalé du gras ici. Il commence à figer. Je vais le réchauffer. Je prends de la maïzena. Je commence à étaler la pâte. Étalez donc la pâte en un carré, là un rectangle comme vous voulez. Elle est déjà fine la pâte. Donc pour la première couche de la baklava, la couche qui est tout au fond, on ne va pas la mettre très très fine. Je vais la passer juste au numéro 4. On l'étire un peu, on commence à déposer. Voilà. Donc pour la pâte, l'astuce c'est de mettre 5 couches en bas et le reste je laisse pour le dessus. Et dès que j'aurai fini d'étaler la première couche, qu'est-ce que je fais? Je vais retirer tout le superflu qu'il y a sur les côtés. Et je vais les retravailler. Comme ça, je n'aurai pas de chute à la fin et je n'aurai pas de la pâte qui a séché. Quand on aura déposé la première couche, pour déposer la deuxième, il n'y a pas besoin de mettre du gras. La couche qu'il y a en bas, elle va rester au fond du plat. Donc pour la deuxième couche, je vais faire l'autre sens. Là, la première couche, je l'ai faite de ce côté-là, du sens de la largeur. Là, je vais faire une autre couche du sens de la longueur, sans bien sûr mettre du gras. Une couche du sens de la largeur, une couche du sens de la longueur.
Et quand j'aurai fini de déposer toute cette couche-là, je vais mettre du gras par-dessus. Je vais retirer ce qu'il y a en plus. Je vais badigeonner avec le semain sur toute la surface, sur les côtés et sur le fond. Après, si vous avez peur de vous perdre, vous mettez 5 boules dans un sac et 7 boules dans l'autre. Là, je vais travailler de l'autre sens. Donc, je finis mes 5 couches et je reviens pour la farce. Donc, j'aurai préalablement moulu les amandes et les noix. Je vais mesurer environ 1300 g de fruits secs, à peu près 1 kg d'amandes et 350 g pardon. Ou 300, hein, on peut même descendre jusqu'à 300, de noix. Je vais les tamiser bien sûr pour enlever la poudre d'amande et la mettre de côté pour une autre utilisation. Et je vais utiliser que les amandes grossièrement moulues. Je vais les peser comme ça. Il faut avoir 3 mesures. Donc cette mesure pour moi, elle prend 450 g de fruits secs. 3 bols. Donc ce qui fait les 3, on va avoir à peu près 1350 grammes. Je vais rajouter une demi-mesure de sucre. Donc on a dit 3 mesures de fruits secs, un mélange entre les amandes et les noix, une demi-mesure de sucre, une cuillère à café de vanille, un petit peu, voilà, elle n'est pas bien pleine, d'arôme noisette, une cuillère à café d'arôme pistache. Vous pouvez ne pas en mettre. Vous mettez juste de la vanille et de la cannelle. Une demi-cuillère à café comme ça de cannelle. Juste avec le bout des doigts. Je vais la rouler comme pour le couscous. Juste mouiller les fruits secs et les sucres aussi en même temps. Inch'Allah. Je vais faire comme ça. Si ça se rassemble et quand je fais ça, ça s'éparpille. Donc c'est tout bon. Je vais pas rajouter d'autres fleurs d'oranger. J'ai découpé juste comme ça. Et cette couche-là, je l'ai travaillée avec les chutes. Vous voyez? Bien sûr, sans avoir mis de gras. Je vais juste la disperser régulièrement. Et je vais l'égaliser. Regardez. 1 cm. Regardez. Si elle est à 1 cm de hauteur, la farce, donc elle est bonne. Mettre un peu de gras comme ça. Je mets mon plateau de côté et je vais étaler les autres couches. Bien sûr, il faut toujours les mettre de l'autre sens à chaque fois. Donc, une couche du sens de la largeur, une couche du sens de la longueur. Première couche, je ne mets pas le gras. Après, j'étale la deuxième couche. À ce moment-là, je mets le gras, les chutes. Si, par exemple, ça s'effrite quand vous la passez à la machine, qu'est-ce que vous faites ? Vous la reprenez, vous la pliez comme ça, comme on fait pour le feuilletage des millefeuilles. Vous la repliez sur elle-même plusieurs fois et vous la repassez à la machine. Pour la dernière couche, je vais faire le feuilletage comme ça. Regardez. Je plie de ce côté. Je plie de l'autre. Et je l'étale. Celle-là aussi. Pour obtenir des bandes assez larges. Et pas trop longue parce que là, je vais faire le sens de la largeur. Je vais mettre un peu de maïs là aussi. Et je vais l'étaler pour finir tout le plateau. Là, je vais procéder au découpage. Je vais la découper en 6. Et là, je vais la découper en 8. Ce qui fera en tout 48 pièces. Je divise. Là, j'ai 30 cm. Je fais ça. Je vais m'aider avec le bord de la règle. Je vais faire des traits comme ça en m'aidant avec la pointe d'un couteau. Là, je vais diviser par contre en 8, toujours 5 cm. Retracer maintenant comme ça des carrés de 5 cm de côté. Repasser le couteau jusqu'au fond. Je vais mettre une amande. Je vais l'arroser avec du semaine fondu à 180 degrés pendant une heure. Il faut qu'elle soit bien dorée. Il me faudra 1 kg 500 g de miel. Je vais la laisser absorber son miel 24 heures. Regardez sa cuisson. Voilà. Elle est bien dorée, bien feuilletée. Elle a pris une heure
20 minutes de cuisson. Donc après, ça dépend des fours. Je suis inter à la gelée. Une noisette qu'on a préalablement. Donc je l'ai préalablement dorée avec du doré alimentaire. Une noix de cajou. Une pistache. Je suis inter à les pétales de fleurs. Voilà. Regardez le feuilletage. Salam alaikum. Au revoir. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Thalmer Thnouen.